Good morgen, Alaïden, l'étude sur aujourd'hui, le Nishmat, Yaakov ben Aïcha, Abraham, Chayon ben Omen, Fortuné Mazal, et Dida bat Esther, Chaya bat Otova, Rachamim ben Rosa, si vous souhaitez aussi l'idée d'une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions dans Sechet Bechorot, Perek Tet, Mishnah Vav, Kol anoladim me'echad betishrei, ad esrim betisha be'elul, are elul mitztarfin, chamisha lifnei Rosh Hashanah, vechamisha le'achar Rosh Hashanah, einan mitztarfin, חמישה לפני הגורן וחמישה לאחר הגורן, אבל הוא מצטרפין. אם כן, למה נאמר שלוש גרנות למעשר בהמה? שעד שלא הגיע הגורן, מותר למכור לשחוט. הגיע הגורן, לא לשחוט. ומשחט, פטור. משנה כי קונטיניו למשנה פרסדנט. פור רפל ואום בפר אורופ, פרפר דוד המשנה פרסדנט, ושוט דו פוינט אסנציאל. נווה, דג'ה אקספיקה, במשנה פרסדנט, דג'ה. Que le maaser bema il se prélève shana beshana. Shana, il est marqué dans le pasuk, que année sur année. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prélever du chadash sur le yashan, de l'ancien sur la nouvelle production. C'est-à-dire, il y a une borne dans l'année, on a vu sur ça une grande discussion, est-ce que c'est Rosh Chodesh Elul, est-ce que c'est premier Betishrei, il y a une borne, quoi qu'il arrive, où ça marque le nouvel an du maaser bema. Où tous les animaux qui sont nés auparavant, eh bien, ils sont, on les associe pour leur faire le maaser. C'est-à-dire, si dans cette année-là, il y en a eu 29 qui sont nés, eh bien, on les comptera, ça nous fera deux séries de 10, et le 9, ben, tant pis, il n'y aura pas eu de maaser. Après, on débute la nouvelle année, et tout ce qui va naître dans la nouvelle année va être prélevé indépendamment. Mais lorsque je vais avoir un qui va naître, je ne vais pas pouvoir les associer avec les 9 qui n'avaient pas de supplément pour devenir 10, d'accord ? Ça, c'était une première notion. Donc, on a une borne dans l'année qui marque le début de l'année, et on ne peut pas le prélever de la production d'une année sur la production de l'autre année. Premièrement. Deuxièmement, on avait appris dans la mission précédente que Chachamim ont fixé trois bornes dans l'année où il va falloir faire un petit peu l'inventaire des productions, des nouvelles naissances, qui étaient avant Rosh Hashanah, avant Pessah, avant Shavuot et avant Sukkot. Maintenant. La Mishnah maintenant va venir m'enseigner en me disant, tout d'abord, c'est quasiment les principes, on a déjà presque tout introduit, si ce n'est une petite notion très simple. Kolano ladin me echad betishrei adesrim betisha be'elul. Tous ceux qui vont naître depuis le premier tishrei jusqu'au 29 Elul, are Elul mitztarfin, eh bien, ils s'associent. Ils appartiennent à la même année, ils s'associent entre eux. Pour qu'on prélève le maaser bema. Par contre, s'il y a eu Chamisha lifnei Rosh Hashanah et Chamisha le'achar Rosh Hashanah, einan mitztarfin, si on a eu 5 qui sont nés avant Rosh Hashanah et 5 qui sont nés après Rosh Hashanah, eh bien, ils ne pourront plus s'associer. D'accord ? Entre parenthèses, la Mishnah va comme Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon qui pensent que Rosh Hashanah pour le maaser bema, c'est le premier Tishrei et pas le premier Elul. Ça, c'était entre parenthèses, c'est posé dans le Barthélemy. Maintenant. La Mishnah va m'enseigner. Jusqu'à maintenant, je t'ai parlé de ceux qui sont nés avant et après la borne de la nouvelle année. Mais qu'est-ce qui se passe par rapport aux bornes du Maaser, où Chachamim ont fixé trois périodes, trois moments dans l'année où il faut que je fasse l'inventaire et que je prélève le Maaser. Si j'ai des animaux qui vont naître avant cette borne et après cette borne, par exemple, on avait dit le premier Nissan, par exemple, eh bien, si j'ai eu cinq qui sont nés en fin de Hadar et 5 qui sont en début Nissan. Est-ce que je pourrais les associer pour les prélever ensemble? La Mishnah m'enseigne. Chamisha lifnei Agoren, 5 qui sont nés avant le Goren. On avait appris comme la grange. C'est par extension la notion de la grange par rapport au Maaser Bema, on aurait imposé de prélever le Maaser. Au Maaser agricole. Donc, par extension, on a utilisé ce mot même pour les bornes de prélèvement du Maaser Bema des animaux, même si il n'y a pas de grange dans les animaux. Donc, Chamisha lifnei Agoren, 5 avant le Goren, avant la période, la borne où il faut faire faut prélever. Et Chamisha le'achar Goren, et 5 qui sont nés après le Goren, après cette date-là, eh bien, un réel omitsafin, là, tu pourras les associer. Parce que ils appartiennent tous à la même année. D'où la question que la Mishnah pose. Imken la mané marche, alors je garante les maaser bema. Dans ce cas-là, quel est l'intérêt de m'avoir dit qu'il y a des goren les maaser bema? La notion de goren, pour celui qui connaît, qui a déjà étudié dans Troumot et Maasrot, la notion de goren, c'est pour te dire, ça y est, tu ne peux plus consommer. Ça veut dire que ça fait partie maintenant, ça marque
la fin d'une année et le début d'une autre année. Alors la Mishnah pose la question maintenant, la fin d'une production, le début d'une autre production. La Mishnah pose la question dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu me dis que c'est un goren si finalement je peux les consommer avant et ça s'associe avec Kalen après. Alors la Mishnah m'enseigne. Chez Ad Sheloïgia Goren, car tant que le goren n'est pas arrivé, eh bien Moutar Limkor ou les Shrot, il n'y a aucune contradiction, une contre-indication à vendre ou à égorger. C'est-à-dire, j'ai eu des nouveau-nés qui sont nés. Maintenant, on est dans la période d'après Pessah jusqu'à Shavuot. J'ai jusqu'au premier Nissan, selon la plupart, beaucoup d'avis, jusqu'au premier Sivan pour pouvoir, toute la production qui va naître, là, me poser et puis la prélever. Donc en ce moment, dans ces jours, je vais avoir maintenant 10 moutons même qui vont naître. Je peux sans aucun problème les prendre et les vendre à quelqu'un. Tandis que, il y a à Goren, dès que va venir la borne, où maintenant, Rami m'ont dit, là, tu arrêtes les activités, tu prélèves. Alors, il y a à Goren, est venue la période où il va falloir prélever. Dans ce cas-là, l'Oishrot, tu n'auras pas le droit d'égorger. C'est un interdit qui n'a que mis des rabananes. C'est-à-dire, selon la chastrique, on avait déjà expliqué, à notre époque, par exemple, on ne prélève pas le maaser, il n'y a aucun interdit. À la différence du maaser agricole, où lorsque tu ne prélèves pas, il y a un grave interdit, pour le maaser animal, eh bien, si tu n'as pas prélevé, c'est pas grave, tu as le droit de manger. Minatora, tu as le droit de manger, et du coup, il n'y aura pas de maaser pour cette année. Si toutefois tu as voulu les compter, tu as compté les 10, le 10e, il sera kodesh, et ce sera devenu un korban. D'accord ? Donc, la Mishnah enseigne dans ce cas-là, à quoi ça sert la date du goren ? Pour te dire que tant que le goren n'est pas arrivé, tu fais ce que tu veux, tu manges comme tu veux. Par contre, Higia goren, dès que la date butoir, elle est arrivée, lo ishrot, on t'interdit, midera banane, de faire la shrita. Même malgré tout, veim shachat, et si elle a égorgé sans prélever, patour, il n'y aura aucune aucune transgression concrètement, et tu pourras même manger aisément aussi la viande. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je te souhaite une journée pleine de la slacha kol tov, salam.